un indice se présenta rapidement. Je n'avais pas le temps de discuter. La vie d'un homme était en jeu. C'était l'entrée du pub The Yeoman's Arms. Je tentais d'ouvrir la porte. Le pub n'était pas encore ouvert. Une porte verrouillée me séparait du feu. Allez! Allez! C'était inutile. La porte était solide. Je n'étais pas assez fort pour l'enfoncer. S'il vous plaît, j'ai besoin qu'on m'aide. Je suis un esthète, pas un psychiatre. Je ne plaisante pas, il y a le feu. Quelqu'un est enfermé, la porte bloque le passage. N'en dites pas plus. Sous mon âme de poète se cache un cœur de lion. Je vous suis. Parfait, merci, Eamon. Pas de quoi. Dommage que les caméras ne soient pas là pour immortaliser cet instant héroïque. Je peux continuer seul. Vous êtes sûr? Je vais appeler les pompiers. Ensuite, j'irai régler son compte à cette saleté de hippie. Et là-bas, attendez! Satané moine, je hais ces types-là, mais je n'avais pas le temps de lui courir après. À en croire Zazie, Bruno allait mourir brûlé vif. J'entendais quelqu'un tousser à travers la fumée. Hé, hey, il y a quelqu'un? Criez pour que je vous repère. Par ici! Au secours! Aidez-moi! J'arrive! C'était sûrement Bruno. Le pauvre, on l'avait ligoté et abandonné dans l'incendie. Ça va? Vous pouvez marcher? Je crois, oui. Bien, allons-y. Tout va s'écrouler ici. Je lui avais redonné l'espoir. Mais si nous ne sortions pas très vite, c'était la mort assurée. Ce n'était pas le moment de discuter. Il fallait sortir d'ici. Allez, on y est presque. Baissez-vous! Ça y est, je me suis baissé.